Je réponds au nom de Marie Akewe, une petite agricultrice au nord du Bénin. Ma spécialité, c'est le maïs et le soja. Et j'interviens dans l'étuvaille du riz local et la transformation du sésame. J'ai quitté mon pays pour Québec. Les femmes québécoises agricultrices nous ont pris comme des consoeurs. J'ai senti en elles une solidarité. Ne laissons pas nos richesses à nous seuls. Il faut les partager avec le monde entier. Et c'est magnifique. L'historique des femmes québécoises agricultrices m'a tellement impressionnée. Une grande étape de lutte. Et enfin, elles en ont arrivé là où elles sont. Pourquoi pas ne pas l'expérimenter chez moi? Vu les problèmes que la femme du monde rural vit au Bénin, les pesanteurs socio-culturelles, c'est un grand frein. La tradition autorise la polygamie. Ça ne favorise pas l'émancipation. Tu restes à la maison. C'est toi qui dois s'occuper des enfants. C'est toi qui dois s'occuper de la scolarisation. Rares sont les femmes qui sont propriétaires terriens. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Aujourd'hui, on est en train de faire des petits plaidoyers pour pouvoir amoindrir un peu les situations pour faire évoluer la femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont compris qu'elles doivent sortir. Les femmes ont compris que leur intérêt, c'est dans les groupements. Notre objectif, c'est de mettre la femme libre, s'épanouir. Et nous prions pour atteindre nos objectifs et préparer la relève de demain.